Salut à tous, c'est Aminikos. On se retrouve sur Sniper Elite 3 Ultimate Edition, un jeu de sniper à la troisième personne. Donc vous incarnez un agent anglais pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord en 1942, occupé par les Allemands. Donc vous allez devoir déjouer les plans des Allemands avec des missions diverses et variées. Donc je fais un petit tour vite fait sur le jeu. Sur les modes de jeu, pardon, vous avez le multijoueur, match à mort par équipe, match à mort et capture de drapeau, mode coopération à deux joueurs et survie. Donc survie, c'est les vagues d'assaut. Voilà. Les points positifs du jeu, vous avez un choix d'armes excellent, des bons snipes. Je donne quelques exemples. Vous avez Mosin-Nagant, le K98. Des armes secondaires aussi pas mal et des armes de poing superbes. Par contre, le point négatif sur le jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de killcam à rayon X. C'est-à-dire que quand vous tuez, pour ceux qui connaissent pas les snipers élites, quand vous tuez un ennemi et quand votre balle touche l'ennemi, vous avez une cinématique. Des fois c'est chiant, des fois c'est trop. Ça c'est mon avis. Voilà. Comme c'est un jeu basé sur la Seconde Guerre mondiale, c'était une époque tragique. Donc je voulais passer un petit message. Merci à ceux qui se sont battus contre la tyrannie, l'oppression, et qui se battent encore aujourd'hui. Donc je vais allumer une bougie pour eux. Elle restera allumée toute la nuit s'il le faut. Mais voilà, voilà, je veux le faire. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et peut-être que vous allez jouer à ce jeu. Voilà, je vous le conseille. Voilà, merci à vous et bonne vidéo. Tchuss.